Je savais pas. Nous sommes en mai. Nous partons non loin du puits violent rejoindre Benjamin et Maya pour un bivouac. Chargé de notre attirail de camping, notre vieille C3 grimpe les petites routes montagnardes du Cantal, si pittoresques. Et ouais, puisqu'on est en face, on l'a pas mieux. Du vent est annoncé, mais pas de pluie. Il n'en faut pas plus pour nous convaincre. L'aventure est pleine de promesses. Toutefois, cette aventure débutera par une mauvaise surprise. Alors, dans la voiture, on disait qu'il y avait une odeur un peu chelou, et en fait, on vient de découvrir qu'un chat, pendant qu'on chargeait la voiture, a pissé sur la plage arrière. Youpi ! Monsieur avait embarqué du produit ménager, quoi ! C'est du bicarbonate et du savon de Marseille. Ouais. Important. Ça va peut-être nous aider dans notre malheur. Parce que si je dois dormir dans la panique. Regarde ! Un poil là. Attends, pour que tout le monde se croie. Mon Dieu, il y en a plusieurs. Donc là, on a calé les deux voitures pour couper un petit peu du vent. Et on va installer la tente ici. À l'intérieur, c'est gonflé ? Non. Nous sommes bien installés. C'est le moment d'allumer le feu de camp. Mon premier depuis de nombreuses années. Sinon, on n'a qu'à prendre un bois de la clôture, les gars. Il y en a tout autour, là. Avant, elle en avait une peur bleue, maintenant. Ah ouais ? Maya, la première fois que je me suis installé dans mon appart... Autour du feu, les conversations vont bon train. Et la bonne humeur... Elle a fait une petite cabane qui fait à peu près la moitié du salon. Et on n'avait que une chaise, la chaise roulante pour ton ordinateur. Le soleil tire sa dernière révérence en beauté avant de laisser complètement la place à la nuit. Tout à fait, mais le patron il m'a dit, il me fait, c'est vrai, il fait, ça fonctionne. Pourquoi c'est chaud? N'oublie pas beaucoup, mais... Bah c'est normal, j'ai toujours des problèmes avec mon logiciel. J'ai un informaticien, il gère pas trop l'affaire. Hein. Comme le feu s'est éteint et qu'on se les caillait trop, les garçons sont partis aller chercher du bois avec ma voiture. Allez-y, décalez-vous! La team! Ouais, grave, après ça parle de la voiture, elle va être sale, hein. Ouais. T'as vu ton papa, il faisait même pour ça. Oui. Tu l'as déjà vu faire ça, ton père? Bah, tout le temps, pourquoi? Marjoline. Ah bah. Marjolaine. Sachez que moi, j'adore. Il y en a une qui s'est barrée. Non, non, je suis juste derrière. Je sais pas. Quand j'étais petite, mon père jouait de l'harmonica aussi. Avec la guitare. 1, 2, 3, 4. C'est magnifique. Et vous attendiez à quoi?
passé une trop bonne nuit. Entre froid, bon, certains. Du vin, regardez. Regardez l'œil. Du vin, mon Dieu. Ah, oh, ouais, banana, passe. Il est là, tu l'as pris dans les mains. Tu sais comment qu'il marche? Ouais. Tout mis en auto. Hop. Voilà, la cascade de. Quand il saute la truite. Hein? Il saute la truite. Quand j'ai découvert ça, j'étais content. On fait maintenant les bulles, les puces et tout. Ouais, mais tu sais, la graisse. On pourrait faire les bulles maintenant. Stop, 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 stop. Touche pas. Regarde, regarde, regarde. Ah, j'y crois pas. C'est pour la poste. Et toi, ça va, Bastien? T'es en forme? Ouais. Ah, mais moi, toujours. Putain, mais comment tu fais? Ravi s'est dit c'est une fatalité. Pas la queue, voilà. Super. Attends, remets-le. Montre à maman. Remets-le en liberté, trésor. Voilà, sur les pierres. Ouais. Rapproche sur les pierres. Parce que c'est bon, je les ai. Faut les laisser se reposer. Va aller dans un petit trou au chaud. Même du sucre, j'aurais donné. Bye bye, petit lézard. Alors le réveil. Après une petite sieste qu'on s'est à peu près tous faites, on va partir aller voir une cascade qui est la cascade du coin. Attends, à côté de toi, il est où? Passage super étroit, les gars. Comme Benjamin a dû galérer pour garer son van. Les routes sont si petites et sinueuses qu'elles nous imposent leur rythme. Dans un monde où tout va si vite, ralentir est si bon. Prendre le temps d'apprécier, de contempler, se laisser surprendre, comme ici avec cette chapelle à Fontanges. Les roches du haut. Du coup, après le petit détour de Fontanges, nous partons enfin pour la cascade.
J'ai même pas encore mis les pieds dans l'eau. Je suis déjà gelée. Oh mon Dieu. Oh. Aïe. J'ai pas réussi à me baigner. Ah, t'es sur votre toutou, c'est Elliot. Ah, il est protégé. Alors, votre toutou. Au revoir. Et puis, comme pour toute chose, il fallut une fin, avec des au revoir. Allez, tchuss. J'ai trop cool. Elle est naze. Non, tu dois dire que c'est fini, là, on rentre. Voilà. Le ça run. Y est, c'est fini. Nous rentrons à la maison. Tchuss, les amis. Et à une prochaine. Ah non, j'ai... On dirait ton père. Est-ce que t'as essayé? Mon Dieu. Je croyais que tu faisais semblant, mais non, c'était vrai. Tchuss. C'est que ça tourne. Et à une prochaine. La gênance. Bon, en fait... Sauf qu'il n'y a pas de tire-bouchon.